T'as beau avoir plein de bagnoles, il y a toujours un truc qui déconne. Avez-vous la carte de fidélité totale ? Non. Et voilà, plus de voyants. Nickel. Salut les bourrins. Alors cette semaine, je termine le train avant. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai retrouvé des pièces que j'avais oublié de poncer, de décaper et de repeindre. Donc je vais faire ça. Ensuite, je remonte tout le monde en place, sauf le moteur, la boîte et la transmission, parce qu'il faut que je la commande. Mais avant de pouvoir la commander, vu que ça coûte un petit peu, bah, il faut que je... mon break, normalement, le break Mercedes devrait être vendu quand vous verrez cette vidéo. Et ensuite, je taquerai très certainement le polissage de la carrosserie pour essayer de la faire raviver la peinture d'origine, puisque comme je disais, hein, le but c'est pas de la refaire un chocard à neuf. J'ai envie qu'elle garde tous ses pocs d'origine, un petit côté rusty, un peu, un petit côté déglingue. Et donc pour ça, je vais juste polisher toute la carrosserie et les parties qui sont perforées par la rouille. Voilà, par contre, je découpe, je ressoude et je traite pour éviter que ça s'empire dans le temps, quoi. Étant donné que j'habite en Bretagne, ça court assez vite ce genre de bestioles. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Et donc je vous précise aussi qu'à partir de maintenant, les vidéos je les ferai toutes les deux semaines. Alors c'est pas parce que je suis feignant, c'est une histoire d'avoir assez de contenu. Parce que comme je n'habite pas à côté de mon hangar, je peux pas y venir tout le temps, tout le temps. Et le remontage évidemment va beaucoup plus lentement que le démontage. Maintenant je vais partir là-dessus, une vidéo toutes les deux semaines, le vendredi à 17h30. Et ensuite, et de temps en temps, je mettrai un petit bonus si j'ai le temps de faire quelques montages. Notamment sur le Mercedes ou alors sur d'autres projets qui doivent arriver bientôt. Donc voilà, bon allez, bonne vidéo. Alors évidemment on est en Bretagne et là bah il commence à pleuvoir. Sinon c'est pas drôle. Bon allez, on range tout ça et on va remonter tout ça en place.
Donc voilà, c'est bon, le train avant est remonté là. Enfin, j'ai galéré un peu sur certains trucs, là, notamment pour mettre les fameux ressorts d'amortisseur là. C'était un peu la galère. Bon, ça va, le résultat est pas trop dégueu. Bon, ça fait pas neuf, hein, mais bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais au moins là, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus sain. Si jamais j'ai besoin d'intervenir en dessous, au moins ça sera nickel quoi. Voilà, bon, on voit bien avec la lumière, voilà. Bon, il devait rester les couches de crasse ou des trucs comme ça en dessous. Bon. C'est pas trop gênant, on voit bien au reflet là que c'est pas super lisse, neuf, comme une restauration de chez un pro. Hein. Mais bon, moi de toute façon, je suis pas un pro. L'important c'est que voilà, ça soit sain maintenant en dessous, on peut y aller sans se dégueulasser les mains. Donc bah, là maintenant, je sais pas quelle heure il est. Je pense que je vais plutôt faire commencer le nettoyage de la carrosserie de celle-là. Allez, on va attaquer un petit peu la carrosserie, histoire de changer un peu du châssis, voilà, mécanique pure. Donc là, je vais utiliser un super produit, un peu comme la peinture Parkside pour le châssis qui est derrière. C'est du rénovateur de peinture de chez Leclerc, voilà, de la marque Tech 9. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va essayer. Au pire, si c'est dégueulasse, bah, on changera de produit et puis c'est tout. Donc, concernant la carrosserie, comme je l'ai dit, hein, elle reste telle qu'elle. C'est-à-dire, je ne change rien, je ne redresse rien, seulement découpe et soudure des parties perforées pour contrôle technique et éviter que ça s'aggrave par la suite. Quoi. En fait, juste un traitement derrière. J'ai envie de garder son petit jus d'origine en redonnant quand même du bruit. Hein. Allez, c'est parti. Oh putain, c'est vachement liquide ce truc. Alors, je sais pas du tout comment faut faire. Hein. Moi, j'ai juste lu un peu ce qu'il y avait marqué sur la notice et puis voilà. C'est pas trop dégueu, le bleu revient bien. Bon alors après, bon le logo de toute façon celui-là, ouais, y a du produit qui est parti derrière, putain, travail de porc. De toute façon ce logo-là il va être remplacé. Celui-là il va être remplacé. Tu vois Romain d'ailleurs, si tu vois la vidéo, il faudra que je te contacte pour ça. Et donc bah voilà quoi ma foi, c'est pas... Je vais continuer toute la face avant avec le produit là que j'ai. Et par contre je vais essayer d'utiliser, j'ai une petite policheuse pneumatique là que j'avais trouvé, bah toujours pareil, je vais vous montrer ça. La policheuse en fait, bah, toujours pareil, la même marque, hein. C'est du Parkside. Je sais pas. Bon, on voit, c'est tout petit, c'est voilà, c'est bien bon, c'est un peu air comprimé. Je vais tester. De toute façon, ça ira sûrement plus vite qu'avec mon chiffon, là, parce que en plus, j'ai bouffé 50 millions de chiffons. Sinon. Je vais voir, je sais pas, il y a différents tampons là, faut que bah, je vais quand même lire la notice avant pour voir ce que ça dit. Et puis, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai regardé un peu la notice quand même. Bon, ils disent de mettre le pad orange, hein. Bah, on va voir ce que ça donne. Alors ils disent de changer le tampon, et en fait il y a pré-polissage et post-polissage. Enfin, ouais, on va voir. Mais en tout cas, c'est, ouais, non, ça revient bien. Là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça revient bien. Alors dans mon bordel, j'ai retrouvé, en fait j'avais déjà fait du polish, c'est bien ce qui me semblait. Là, celui-là je l'ai pris il y a deux semaines, je crois, trois semaines chez le faire. En fait j'avais retrouvé, j'avais du Meguiar, je sais pas comment on dit. Et bon en gros c'est beaucoup mieux comme produit, c'est vraiment, on est un peu au-dessus niveau. Donc je vais peut-être recommencer avec celui-là, parce que bon le rendu est pas mal, hein. Ça bah, c'est pas dégueu. Mais ouais je me tape, je vais essayer avec celui-là pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas trop mal. Alors après, c'est assez compliqué, parce que comme c'est des peintures qui ont 60 ans, mais bon, là, on voit quand même, les reflets sont pas trop dégueux. Par contre, il y a une peau d'orange d'origine. Bon, je pense qu'à l'époque, voilà, hein, on cherchait pas trop la qualité. Donc, non, franchement, content. Je vais continuer avec le Meguiar, histoire de le finir. Mais là, le rendu déjà me plaît bien. Bye.
Bah, la peinture, en tout cas, revient super bien. Bon, il y a énormément de défauts, hein, notamment au niveau corrosion, il y a de quoi faire. Mais quand je vois par rapport à avant et après, je me dis qu'une fois terminé, ça peut être super sympa. Bon, là, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai pas vu leur filet comme dame. Voilà le résultat avec le produit. Donc, avec la polichelle, la petite polichelle. Bon, par contre, j'ai déjà défoncé le pad, mais bon, ça, je m'en doutais. De toute façon, là, c'est les deux. Et bon, il y a énormément d'arêtes vives en fait sur les staffettes, ce qui fait que bah, ça n'arrêtait pas d'accrocher dedans. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc dans 2 semaines maintenant, je termine la carrosserie, je vais continuer le polissage partout. Et j'attaquerai très certainement l'intérieur aussi, le décapage de l'intérieur. On verra suivant le temps, parce que là déjà j'ai mis presque un peu plus d'une heure pour faire la face avant. Donc je me dis que ouais, les staffs complètes, il y a quasiment pour une petite journée. Et encore, je ne fais pas les ouvrants pour l'instant, je les ferai plus tard, parce que je récupère d'autres ouvrants. Donc je vous dis à dans 2 semaines, et bon week-end les bras.